Comme vous le savez, le week-end dernier, je suis rentré en Bulgarie. C'est ma patrie, parce que je viens de la voir. Et j'étais très content en fait de rentrer, de voir ma famille, de voir aussi les frères et sœurs. Et vous avez le bonjour de l'église, du pasteur, des jeunes de ma ville natale, Stara Zagora, ça s'appelle. Si tu peux remonter un petit peu. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que les frères et sœurs qui sont en Bulgarie sont tout aussi chauds que nous, comme nous, pour lever le Seigneur, pour chercher le Seigneur. Amen. 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 Et en fait, il se trouve que ce week-end, il y a une mission qui est organisée par le pasteur de l'église d'où je viens en Bulgarie. Il s'appelle Lubo. Donc il y a une mission qui est organisée dans les pays voisins de la Bulgarie, c'est la Macédoine, l'Albanie et la Bosnie. Donc il m'avait demandé si on pouvait prier pour eux, pour que le Seigneur les soutienne. Ils partent à quatre. Donc vraiment, ils vont faire 4000 km. Et vraiment que le Seigneur puisse les soutenir dans cette mission, parce que dans ces pays, en fait, il y a des églises déjà qui sont implantées. Vraiment c'est l'œuvre de Dieu et ils viennent juste en soutien auprès de ces églises pour soutenir les croyants qui sont là, pour prier avec eux, pour apporter aussi la nouvelle et pour les encourager pour continuer, parce que c'est des croix en fait où il n'y en a pas beaucoup de chrétiens. Surtout en Albanie, il se trouve qu'il y a quand même des églises, mais il m'a dit en Bosnie en fait il n'y en a pas tellement. Que vraiment qu'ils puissent les soutenir, que le Seigneur puisse les utiliser là où ils sont. Amen. Si vous êtes d'accord, on peut prier ensemble. Amen. Pour élever. Ils sont partis aujourd'hui, que vraiment le Seigneur puisse les soutenir là où ils sont, apporter l'évangile de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce moment que tu nous accordes, que nous puissions élever nos voix, Seigneur, devant toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, je te prie pour mon pasteur Lubo, Tania, Seigneur mon Dieu, et Ivan et Tony, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment les protéger pendant cette mission que tu leur as accordée, Seigneur mon Dieu, d'aller apporter, Seigneur mon Dieu, ton évangile, Seigneur mon Dieu, là, Seigneur, dans ces pays, dans la Macédoine, l'Albanie, la Bosnie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment les toucher maintenant, Seigneur, les utiliser comme toi, le sang, Seigneur Dieu. Maintenant, je te prie pour eux, Seigneur Dieu, vraiment, tu puisses les soutenir, qu'ils reviennent avec un bon témoignage, Seigneur mon Dieu, que vraiment, tu les encourages. Maintenant, je les laisse entre tes mains, Seigneur mon Dieu, que tu les couvres par ton sang, Seigneur mon Dieu, que tout le plan de l'ennemi soit brisé, au nom puissant de Jésus, et comment tu puisses agir pour être de leur vie. Je les laisse entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et vraiment, je veux dire, ça faisait 6 mois que je n'étais pas rentré dans mon pays. Je suis rentré juste pour 2 jours. Mais pendant ces 2 jours, j'étais ressourcé déjà de rentrer chez moi. Et puis j'étais encouragé aussi. Et j'étais aussi là pour corriger en même temps. Mais j'ai vu, en fait, dans mon église, il y a tellement de jeunes. Il y a une quarantaine vraiment de jeunes qui cherchent le Seigneur. Qui cherchent le Seigneur. Que vraiment le Seigneur les bénisse. Il les envoie le bonjour. Amen. Et moi aussi j'ai envoyé le bonjour ici. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen. 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 Je suis heureux encore une fois d'être avec vous. So I'm happy to be with you tonight. Et nous sommes heureux de pouvoir nous réjouir ensemble. Amen. We're so happy to be together tonight. Mercredi encore, nous étions en mission avec les gens du voyage. So on Wednesday we were in the gypsy mission. Dans lequel il y avait une camp croisade d'évangélisation dans lequel il y avait près de 80 personnes. There were about 80 people and we were in this campus of gypsy. Nous avons vu vraiment comment Dieu agit, la gloire de Dieu. Nous avons vu toute une équipe à la fin qui était prêt à servir Dieu. Amen. And we saw the victory of the Lord because all these people came to us and we talked. Amen. Amen. Parce que Dieu est en train de lever une armée. Amen. Because God is raising his army. Amen. Dieu n'est pas en train de lever
des gens qui dorment, mais Dieu est en train d'armer, de le monter une armée, des hommes et des femmes qui se lèvent, qui n'auront pas peur de proclamer l'évangile de Dieu. Amen. He's raising men and women who are ready to announce and proclaim the name of Jesus. Nous pouvons voir que dans les autres religions, ils n'ont pas peur de proclamer ce qu'ils pensent. So I can see that in the other religions, people are not afraid to proclaim their theory. Mais ils n'ont aucune puissance. But they don't have any majesty. Mais je vais vous dire que nous avons reçu la puissance de Dieu et la présence de Dieu qui nous accompagne là où nous allons. But we receive the strength from God where we go. Et comme je l'avais dit dans les prières de culte, quand l'assurance de Dieu commence à nous toucher, il n'y a rien qui ne peut t'arrêter. And when we walk in the assurance, there is nothing who can bind us. La marque d'un chrétien rempli de l'esprit est un chrétien rempli d'assurance. So this is the mark for a Christian who is fulfilled with the Holy Spirit is the assurance. Parce que c'est la première des choses. La première conséquence du péché a été la peur dans les cœurs de l'homme. Because the first consequence of the sin was the afraidness. Et nous pouvons voir qu'à travers les âges, la peur a augmenté dans les cœurs de l'homme. So this afraidness can arise from age to age. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et femmes sont dans la dépression, sont dépressifs, parce que la peur les paralyse. That is why so many Christians are paralyzed by the afraidness. Mais je veux vous dire que Jésus est venu pour changer toutes les choses. And I can tell that Jesus came to change all these things. Il a donné sa vie pour nous donner le Saint-Esprit. Because he gave his own son, he gave his life for us. Et quand la présence de Dieu vient, alors le vide qui était dans ton cœur disparaît et est rempli de la présence de Dieu. So where the presence of the Lord in your heart, the freeness came out. Et le manque de direction que tu avais dans ta vie, il vient commencer à te conduire. And he starts to conduct you, to direct you in your life. Ceux et celles qui sont conduits par le Saint-Esprit, nous dit la parole, sont appelés fils et filles de Dieu. Amen. So who is directed by the Holy Spirit, they are children of the Lord. Amen. Ce n'est plus le temps de l'homme. It is not the man. Mais c'est le temps du Saint-Esprit. It is not the time of the man, but the time of the Holy Spirit. Le temps du Saint-Esprit qui a commencé il y a 2000 ans le jour de la Pentecôte. So this time who came 2000 years ago. Et quand ce temps a commencé, il ne s'est jamais arrêté. This time never ends. Il s'arrêtera le jour où Jésus reviendra chercher l'Église. This time will end when Jesus came to search his church. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous interpelle et qu'il continue à nous parler en nous demandant d'être prêts. So that is why he's talking to us to continue to pray. Et il veut que tu aies une foi forte. Because he wants that you believe strongly. C'est pour cela que la Bible dit, le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? That is why God is asking us, is there faith when he comes back? Il nous dira, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi en raison des progrès de l'iniquité. Because the love will be diminished because of the progress of the human progress. Mes amis, quand nous lisons dans le livre de Hébreux 11, when we read in Hebrew 11, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. It is written that the belief is to know that something that you don't see. Si nous voulons savoir si nous avons toujours la foi, regarde le degré de ton assurance et tu connaîtras le degré de ta foi. So if you believe in things that you don't see, you will see your degree of belief. Et nous pouvons voir qu'à un moment donné, alors que l'apôtre Paul est arrivé chez un jeune pasteur qu'on appelle Timothée, while l'apôtre Paul arrived to Timothy, ce jeune frère était en train de baisser dans sa foi. So this man, young man, was exercising his faith. Il sait quand même être timide. But he was intimidated. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul a commencé à l'exhorter. So while l'apôtre Paul starts to bring his this testimony, il lui a dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, et tu as reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. He told him that he didn't receive a spirit of intimidating, but a spirit of strength and a spirit of holiness. Amen. Amen. Quand nous devenons chrétiens, nous oublions la timidité. Because while we are Christian, we forget about intimidating. Parce que la timidité est une conséquence de la peur. Because this is the consequence of the afraidness. Amen. Nous voulons changer nos mentalités, nous voulons changer nos raisonnements. So I want to change our mentalities and our thinking and mind. Alors le Saint-Esprit va ensemble nous montrer quel est le chemin de l'excellence pour changer. So the Holy Spirit will bring us this Amen. Way how to change. Ah, parce qu'il a dit, les choses anciennes c'est du passé. Because God told the old things passed out. Et maintenant toutes les choses deviennent nouvelles. And everything is renewed. Amen. Amen. Il a voulu marquer le pas. So he wanted to bring us this reality. Il a parlé de sa vie à un moment l'apôtre Paul quand il était un grand religieux. So Apostle Paul
talk about his life when he was a religious man. Et il a dit le pire que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. He told that the good things that I want to do, I'm not doing that. Et le mal que je veux pas faire, voilà ce que je pratique. But the bad things that I don't want to do, that is what I'm doing. Qui me séparera de ce corps de mort? Who will separate me from this dying corpse? Il avait compris que par la force, on ne pouvait pas plaire à Dieu. So he knew that we can't go to God by our strength. Par ton intelligence, tu ne peux pas plaire à Dieu. Neither by our intelligence. Mais par contre, si tu as cette assurance qu'il est vivant et qu'il est ton patron, alors là, tu peux lui plaire. But if we believe, if we have this admiration to God that He is our Savior. Il a dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Because without the faith, we can't do things well to God. La foi, ce n'est pas une piété religieuse. Because faith is not piety. La foi, c'est l'assurance que Dieu existe et qu'il est ton patron. Faith is assurance that you know that God exists and He is your boss. Et si tu commences à marcher de cette manière, alors tu commences à marcher dans la foi. When you start to walk this way, you are starting to go by faith. Parce que tu vas savoir que Jésus est non seulement ton patron, mais qu'il y a le Père aussi qui est là. And you know not only that Jesus is your boss, but you know that the Father is there somewhere. Et parce qu'il est ton Père, alors il va te donner des bonnes choses. And because it's your Father, He will give you good things. Amen. 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 Mais il veut que tu crois. But He wants that you believe that. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Because everything is possible for who is in faith. Mais si tu ne crois pas, rien n'est possible. If you don't believe, you will not receive anything. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose, vous expliquer quelque chose de particulier. No, I want to explain you just something in particular. La Bible nous dit, il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha. Because the Bible told us this story of Jesus who died on the cross 2,000 years ago. Alors que Jésus a donné sa vie pour le monde. Because Jesus gave his life for humanity. Il a dit une parole, il a dit tout est accompli. And he told the world that everything is accomplished. La guérison est accomplie. Your healthness. Le miracle est accompli. Miracles. La délivrance est accomplie. Deliverance. Tous les problèmes que tu as dans ta vie ont été accomplis à la croix de Golgotha. Every problem was resolved at the cross. Mais il y a deux éléments qui te manquent pour que cet accomplissement devienne une réalité dans ta vie. But there are two things that you need to know so that these things happen in your life. Premièrement, la foi. The first thing is to believe. Et deuxièmement, une communion intime avec la présence de Dieu et le Saint-Esprit. And secondly, is a communion with the Holy Spirit. Et quand ces trois choses sont réunies dans ta vie, and if you have these things in your life, alors tu commences à marcher dans la victoire totale. So we start to walk in the total victory. Et tu vas voir que dans ta vie, plus rien ne sera impossible. And you will see that you're not, in your life, everything is possible. Amen. Amen. C'est cela dont nous avons besoin. That is what we need to understand. Ça nous sert à rien d'avoir une belle religion. Because just to have a religion is not the point. Ça ne sert à rien seulement de chanter quelques chants pour faire beau. Just to sing some songs and to be happy. Si l'évangile devait s'arrêter seulement à cela, j'aimerais vous dire que moi le premier, je ne serais pas là. If this is the cause, this is the point that we are here, I'm the first one to go out. Parce que je suis jeune et si l'évangile se résumera à ça, je ne viendrai pas perdre mon temps. Because I'm young and if it's all about this, I'll not just take this time and go out. Parce que j'ai compris une réalité de Dieu, c'est alors que je me tiens ici devant vous. Because I understood a reality, that is why I'm in front of you. Et parce que j'ai vu Dieu agir maintes et maintes fois. Because I saw God acting in my life so many times. Quand j'étais pas un croyant, j'ai dit à Dieu, je veux savoir qui t'es. Et quand il a commencé à me révéler qui il était, alors j'ai dit, maintenant je te lâcherai plus. While I was not Christian, so I asked God to show me who He is. And now, while He showed me who He is, I don't want to let Him go. Parce que j'ai tellement cherché Dieu que le jour où j'ai trouvé, j'ai dit maintenant toi, quand je t'ai trouvé, je ne te lâcherai plus jamais. Because I searched for the Lord for so many times, so when I found Him, I don't want to let Him go. J'ai même déjà dit à Dieu, même si toi tu veux me jeter du ciel parce que je suis trop grand, je m'accrocherai à toi. And I've told already to God, if you want to bring me out from heaven, I will just scratch you and I will take you and I want to be with you. Quelle est ta détermination de l'amour de Dieu? What is your determination and what is your love and degree for the love of God? Dieu nous a aimés de manière inconditionnelle. La Bible nous dit car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Because God loved us unconditionally, so that He gave His own Son for that nobody perish, but who believes in God to go in heaven. Et ne pas aimer Dieu
serait un manque de serait une preuve d'incrédulité. So if you don't or if we don't love God, it will be the same thing that if we don't believe to God. C'est pour ça qu'il a dit cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice et toutes les autres choses te seront données. That is why he told us just to search for his kingdom first of all and he will bring us all the things after. Il ne te dit pas cherche à titre chrétien. He didn't just say search as a Christian. Il ne te dit pas cherche une belle religion où tu vas avoir une belle piété où tu vas prier tant et tant de fois par jour où tu vas jeûner tant et tant de fois par an. Search for a good religion like Christianity and piety and fasting où tu vas te flageller. So you just be a religious man. Dieu ne veut rien de tout ça. God doesn't want this. Il a dit l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Because he told us that obedience is more than all the sacrifices. La seule chose qu'il attend de toi. And the unique thing that he waits for you. De dire même si tu n'arrives pas à croire, tu dis Seigneur, je veux essayer de croire. Even though you don't believe, just to say to the Lord, I want to believe. Peut-être tu dis dans ta vie, mais Dieu n'existe pas. Maybe you told in your life that God doesn't exist. Alors j'aimerais te lancer un défi ce soir. And I want to bring you this thing tonight. Si tu es dans l'église, si vous êtes sur le net, j'aimerais te lancer un défi ce soir. So I want to give you this thing tonight. Quand tu as fini d'écouter cette prêche, quand tu rentres dans ta chambre ce soir. So while you are looking this, while you are listening to this, when you go to your ferme ta porte, to your bed, just close the door. Et parle à Dieu. Dis-lui, Dieu m'a dit que tu es vivant. And talk to God directly and talk and ask Him to show Himself to you. Et pasteur là m'a dit que tu es vivant. Because the pastor just told you that He is alive, so ask Him to show you that He is alive. Et il m'a lancé ce défi. Je le fais seulement parce que je fais ce défi. And I'm doing this just because the pastor asked me to do it. Montre-moi alors que tu es vivant. So show me that you're alive. Et si tu lui parles sincèrement de ton cœur, and I'm assured that if you talk to God this way, sincerely in your heart, j'aimerais t'assurer qu'il va se passer quelque chose. I can assure that something will happen in your life. Parce que c'est une parole de foi que je déclare sur ta vie. Because the word of faith that I declare in your life. Et parce que cette parole est déclarée, elle va avoir un impact. Because this word is declared, it has an impact in your life. Amen. Alors qu'un jour je prêchais à Mulhouse, quand je venais de me convertir, so while I was preaching in Mulhouse, je suis allé prêcher aux jeunes des cités, aux jeunes des quartiers. I'm going to preach to the young people in different strong places. Et un jour j'ai parlé à une jeune fille dans la rue. And one day I talked to a girl just on the street. Elle m'a dit, je crois pas en Dieu. And she told me that she didn't believe to the Lord. J'ai dit, tu crois pas en Dieu, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas croire. And I told her that you don't believe now, but when you go back home, you will believe to the Lord. J'ai dit, parce que mon Dieu va se révéler à toi. You will believe in God because God will reveal to you. Et je lui ai dit, je vais prier même pour ça. And I will even pray for that. Elle a rigolé. She was just smiling. Elle est partie. So she went out. Écoutez-moi bien. So listen to me. Une semaine après, j'ai revu cette fille totalement blanche, paniquée. So one week after I saw this girl was totally different. White. Elle me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? And she asked me, what did you do? Je dis, moi j'ai rien fait, explique-moi. So I told her I didn't do anything, so explain to me. Elle me dit, le soir où je t'ai vu, quand je suis rentré dans ma chambre pour aller dormir. So she told me that the same day, on the night when she go to her bed. Je vois une vision devant moi avec un homme en blanc qui me tend la main, qui me dit, viens, suis-moi. I see a vision and I saw a white man who just told me, come and follow me. Je dis, je t'avais dit que ce soir tu croirais parce que c'est mon ami qui t'appelle. And I told him, I told you that he will reveal to yourself Amen. Because it's my friend. Amen. J'ai pu prêcher l'évangile. So I bring her the gospel. Et j'ai vu à maintes et maintes fois combien Dieu agissait quand nous croyons à ce qu'il dit. So I saw so many times while we are acting, while we are doing this, that God do things. Et c'est pour ça que j'ai dit, si tu ne crois pas ce soir, tu croiras. While we believe. And tonight, if you believe, I'll tell you, you will believe. Et je lance un défi à toute personne qui commence à parler à Dieu et que Dieu ne répond pas.
So I told all people just to say to go to their bed and just to ask God. Tu as le droit de venir chez moi et me faire un scandale. So if it doesn't happen, you can come to me and bring a scandal. Mais attention, quand tu vas commencer à faire ton scandale, Dieu va se révéler à toi. But pay attention, because while you start to do this, at this moment, God will reveal to yourself. Parce que je sais en qui je crois. Because I know who I believe. Un jour, quand j'étais également à Mulhouse. And another day, while I was still in Mulhouse, j'ai parlé à un jeune musulman. I just preached to a young musulman. Et lui ne croyait pas. He didn't believe at all. Il me dit, donne-moi un signe que Dieu est vivant. And he just told me, bring me a sign just to believe that God. Donne-moi un signe que Jésus est la vérité. That Jesus is the reality. Je lui dis, il va te donner son signe. So I told him, he will. Il me dit, mais comment? And she asked myself, what? Je dis, quand il te donnera son signe, tu le sauras. And I told him, when you see this, the sign, you will know. La personne est partie. And this man is went out. 3-4 jours après, je le revois. So 3 or 4 days, I saw him. Et il me dit, est-ce que je peux te parler? And he just asked myself, can I talk to you? Je lui ai fait, oui, est-ce que tu as eu ton signe? So I just asked him, yes, did you see your sign? Il me dit, alors je ne sais pas si c'est un signe. And he told me that he didn't knew that it was a sign. J'étais en train de marcher avec un ami. He was walking with a friend of his. Et j'ai vu un morceau de papier dans un arbre. So I saw a piece of paper in a tree. Il a dit, et je suis monté sur cet arbre pour voir ce que c'était ce papier parce que ça me triguait. So I went and I took this piece of paper. Et il m'a dit, et quand je l'ai vu, quand j'ai commencé à lire, c'était un morceau de l'évangile en arabe. When I started to read this, it was a piece of the gospel got in Arab. J'ai dit, tu vois, Dieu a donné son signe. I told him, God bring you the sign. Parce que le Dieu que je prêche est réel, amen. Because God and I believe is real. Amen. Amen. Ne prêchons pas la religiosité. We're not preaching the religiousness. Mais nous prêchons la présence de Dieu. But the presence of the Lord. Le monde n'a pas besoin de grands prédicateurs éloquents. We don't need to elogue ourselves and to bring good de grands discours. And to talk. Mais ils ont besoin de la présence de Dieu. But people are in need of the presence of the Lord. Parce que c'est la présence de Dieu qui change tout. Because it is the presence of the Lord that changes. Et quand tu commences à fermer les yeux, la présence de Dieu descend sur toi. So while I'm starting to pray for you, the presence of the Lord comes to you. Tu es changé en un instant en un autre homme. And you are changed to a new man. Amen. 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 C'est une réalité. This is a reality. Et cela nous devons le comprendre en tant qu'Église. And we need to understand this as a church. Amen. Amen. Je sens vraiment que le Saint-Esprit veut conduire l'Église dans cette dimension. So know that the Holy Spirit wants to bring us in this dimension. Et que jamais nous puissions tomber dans une routine. So that we can never be religious. Mais que nous grandissions dans la présence de Dieu. In the routine, but just to grow up in the presence of the Lord. Parce que quand Dieu commence à parler à ton cœur, quand Dieu commence à te toucher, alors quelque chose se produit. Because while God is starting to doing something in your life, to talking to you, parce que life is changing. Ton assurance va grandir en fonction de ta foi. Because your assurance will grow with your faith. Et la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Because the faith is coming from what we are hearing, and what we are hearing is the word of God. Quand la présence de Dieu commence à te toucher, la parole de Dieu commence à devenir plus claire. Because it's the presence of the Lord that touches yourself and brings you new dimension. Et quand cela se produit, tu commences à grandir dans l'assurance. And now you start to grow in assurance. Amen. 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 Nous ne sommes pas des têtes brûlées, nous sommes seulement des hommes et des femmes en feu. We're not crazy, we're just men and women who are crazy for God. Amen. 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 Nous sommes des hommes et des femmes en feu. And in fire. Amen. 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 Et le feu d'en haut. But the fire from heaven. Qui sait ce que c'est le feu de Dieu? Who knows what is the fire of the Lord? La Bible me dit la parole de Dieu est un feu dévorant. Because the Bible tells me that the word of God is a consuming fire. Quand nous écoutons les scientifiques qui parlent de la création du monde, because every scientific man who's talking about the creation of the world, les scientifiques nous parlent d'un Big Bang qui est sorti de nulle part, et un feu qui est sorti et qui a commencé dans lequel toute la création a commencé à se faire. They're talking about a Big Bang who just raised everything. They're talking about a fire. C'est ce qu'on nous a appris en histoire. Because what we're teaching in history. Et je veux vous dire que Dieu confirme l'histoire.
And I want to tell them that God confirms this history. Les scientifiques, d'après leurs recherches, ont vu que c'est un feu qui a tout créé. Because the scientists learned that it was a fire. Et la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. And because the Bible tells us that everything was created by the word. Et que la parole est un feu dévorant. Because the word is a consuming fire. Alors, messieurs les scientifiques, mesdames les scientifiques. So, Mr. and Miss scientists. Encore une fois, vous ne pouvez pas démontrer que Dieu n'existe pas. Once again, you can't just say that God doesn't exist. Parce que votre théorie a été approuvée et reconnue par la parole de Dieu. Because your theory was approved by the word of God. Parce que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Because everything was created by the word of God. Et c'est pour cela que l'homme est chaud. That is why man is on fire. Il a une bonne température. He has good temperature. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Because he was created on the image of the Lord. Et toujours, il a à peu près 37 degrés. So he has about 36 and 6 degrees. C'est quelque chose de très chaud. It's something which is on fire. C'est ce qui vit en toi. It's warm. It's everything is amen. New. Yeah. Amen. Parce que tu viens de la parole de Dieu. Because you come from the word of God. Et toute chose doit revenir à Dieu. And everything will go to the Lord. C'est pour cela que Dieu appelle chaque homme, chaque femme en tout lieu à se convertir. So that is why the Lord is asking for every man and woman to go and to believe to the Lord. Parce que tu es détenteur d'une marque de Dieu déjà sur ta vie, rien pour ta création. Because you have this brand in your life, the God's brand, just because you're his thing. Et ce vide que tu ressens, c'est parce que tu es loin de ton Créateur. And there is something which is missing in you because you are far away from the Lord. Mais quand tu t'approches de lui, alors les deux éléments sont réunis. But while you are approaching to the Lord, these things that you miss is fulfilled. La présence de Dieu descend sur toi et alors là tu es comblé. And this is the presence of the Lord, and now you can be really fulfilled. Et là tu commences à devenir réellement heureux. So you start to be really happy. Vous savez la force du croyant, qu'est-ce que c'est? You know what is the strength of a Christian? La force du croyant, la Bible dit, c'est la joie. So the strength is the joy. Sans joie, un croyant est mort. Because without joy, a believer is just dead. Mais la force d'un homme, d'une femme qui croit en Dieu, c'est la joie. And the strength is the joy. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de religieux à travers le monde qui sont morts. That is why we are seeing so many religious men who are dead because they don't have the joy. Parce qu'ils vont se réunir dans leur réunion. So they'll just start to do their things to. Et on dirait qu'on est dans une marche funèbre. There is something bad which is happening. They're not in joy. C'est tellement mort qu'on entend les mouches qui sont en train de faire la fête. We just can see the insects which are flying. Because there is nothing. There is not the joy. Mais nous dans la maison de Dieu, on n'a pas le temps d'entendre les mouches brûler. But we don't have this time. We can't listen to these. Insects. Parce qu'il y a tellement d'acclamations et de gloire à Dieu que les mouches ils tapent des mains avec nous. Because we're so happy to have in the presence of the Lord, so we're joining in the joy, we're singing and shouting to the Lord. Et les mouches sont heureux avec nous. And even the insects are happy with us. Amen. Amen. Mais dans un endroit où il y a une ambiance funèbre. Even the mosquitoes. So, but in these religious ambience. Alors c'est les mouches qui essayent d'amener ces hommes et ces femmes à adorer Dieu. Alors ils vont even these insects try to conduct, to direct this man to be in the joy. Ils parlent avec leur langage. Because they're trying everything. Et les gens ils disent mais ils vont s'arrêter. And people are just saying, oh, they will go away. Amen. Amen. La Bible nous dit que la nature entière soupire aux merveilles de Dieu. Because the word of God is saying that all the creation admires the Lord. Amen. Amen. Je disais un jour à un frère pour rigoler, plus que la gloire va un jour grandir, on va voir tout plein de pigeons à la fenêtre qui vont venir pour voir ce qui se passe. Once I told to a brother that so many times the glory of God will come, we will see even the pigeons. Parce que la nature entière soupire aux merveilles. Singing and praying to the Lord. Les animaux reconnaissent la présence de Dieu. Because even animals can recognize the Lord. Amen. 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 Alors nous qui sommes des humains, qui sommes plus intelligents et plus doués que tous les animaux, pourquoi passerons-nous à côté? We're as humans, we're in fact we should be more intelligent than the animals and the plants, and we should just seek for this joy.
for the Lord. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble un livre dans la parole de Dieu. We will read together. Dans le livre de Luc. In Luke. Luc, chapitre 7, verset 36. Chapter 7, verse 36. La Bible me dit, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Then one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. Et voici qu'une pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Brought an alabaster flask of fragrant oil. Et se tint derrière à ses pieds. And stood at his feet. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Behind him, weeping, as she began to wash his feet with her tears and wipe them with the hair of her head. À cette vue, le pharisien qui avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qu'elle est qui est la femme qui le touche et qui est une pécheresse. As she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil, now when the Pharisees who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, this man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, or she is a sinner. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. Maître parle, répondit-il. So he said, teacher, say it. Un créancier avait deux débiteurs. Un devait 500 deniers et l'autre 50. There was a certain creditor who had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Lequel aimera le plus? Tell me therefore, which of them will love him more? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Simon answered and said, I suppose the one who he forgave more. Jésus lui dit, tu as bien jugé. And he said to him, you have rightly judged. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Then je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. But she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. You did not anoint my head with oil, but the woman has anointed my feet with fragrant oil. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Therefore I said to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. Mais celui à qui on en pardonne peu aime peu. But to whom little is forgiven, the same loves little. Il dit à ta femme, tes péchés te sont pardonnés. And he said to her, your sins are forgiven. Vous savez, il y a une caractéristique que j'aimerais vous dire ce soir. You know, there was a characteristic which I et quelque chose que j'aimerais vraiment de tout cœur qui soit gravé dans ton cœur et dans ta pensée à tout jamais. Something that you really need to understand in your mind. Tu peux faire beaucoup de prières où tu demandes à Dieu pardonne-moi ou tu fais beaucoup de choses. You can pray so much to the Lord just asking him for forgiveness or to do something in your life. Mais tu sentiras qu'il y a toujours la culpabilité, que le diable vient toujours t'attaquer et te faire croire que tu n'es pas pardonné. But you will sense in your spirit that the devil is coming and bringing you something that you are aware. Et Jésus nous donne une clé. And culpability, Jesus gives us a key. Si tu commences à aimer Jésus de tout ton cœur et à l'adorer et à t'oublier toi-même, start to love Jesus with all your heart, with all your mind. À ce moment-là, tes péchés te sont pardonnés. Start to forget about yourself, and at this moment, all your sins are forgiven. Et cette phrase, le pharisien avait du mal à la comprendre. And this phrase, the Pharisean man didn't understand. Parce que pour lui, il fallait faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de piété pour recevoir le pardon de Dieu.
because he needed to make so many things to be forgiven. Mais regardez ce qu'il dira dans le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. But listen in 47. Therefore I say to you, the sins which are many are forgiven, for she loved much. J'aimerais que cette parole un jour Dieu puisse me le dire à moi-même. I would like that God tells the same thing one day to me. Je n'attends pas que Dieu dise voilà, je vais pardonner ses péchés parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. I'm not waiting that God is saying that I will just forgive his sins because he did so many things. Mais ce que j'attends un jour quand j'arrive au ciel, c'est tu as beaucoup aimé à cause de cela, tes nombreux péchés ont été pardonnés. But I wait for this word, you are forgiven because you loved so much. Parce que regardez ce qu'il dira après cette femme, il dira va. Tes péchés te sont pardonnés. Because after that, he told this woman, go and your sins are forgiven. Alors, on commence à apprécier, à adorer la présence de Dieu. That is how we need to appreciate the presence of the Lord. Le parfait est le symbole de l'adoration. Because this anointing oil was the symbol of the adoring the Lord. Et si tu veux verser du parfum sur les pieds de Jésus, alors commence à adorer. So if you want to bring this anointing oil to the legs of Jesus, start to adore. Commence à le remercier pendant un instant quand tu pries, t'oublier toi-même. Start to bring him his mercy and to ask him and to pray to him. Et à ce moment-là, tes nombreux péchés sont en train d'être pardonnés. To adore him, and at this moment, your sins are forgiven. Amen. 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 Celui qui aime beaucoup, il sera pardonné beaucoup. Because who love much will be loved. Alors souvent je vois beaucoup de chrétiens qui disent oh, mais pasteur, tu savais tous les péchés que j'ai faits, tout ce que je dois demander pardon, tout ce que je dois me repentir. He will be forgiven. And so many people told me that, you know, so many in my life I did so many sins. Alors si tu as fait beaucoup de grâce dans ta vie, alors commence à adorer Dieu beaucoup. So if you did much sin in your life, so start to adore more. Ne cherche pas des excuses à ce que tu as fait. Don't just search for things in order not to accept this reality. Mais dis Seigneur, je viens devant toi tel que je suis et je commence à te chanter, à t'adorer et j'oublie ma mentalité religieuse qui me dit que je dois faire beaucoup de sacrifices. And tell to the Lord, Jesus, because I did so much sin, I am coming to you and I'm worshiping you and I'm adoring you in order that you forgive me. Parce que je sais que quand je vais commencer à t'adorer et te louer à ce moment-là, alors tu enlèves mes péchés. Because I know that while I'm starting to adore you, you're bringing this sin out of my life. Vous savez, c'est dans les grands moments de louange où on chante, où on adore Dieu et on s'oublie soi-même, que tout d'un coup on a l'impression que le ciel est ouvert et que tout a changé. You know, this is at the very this moment that we are adoring the Lord and that the sky is open and the God is talking to us. Mais malheureusement, par le manque de connaissance, beaucoup de chrétiens retombent après dans la religiosité puisqu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris que c'était un temps de grâce où Dieu est en train de les pardonner parce qu'ils ont adoré. But so many Christians didn't understand this because they didn't understand that at very this moment their sins are forgiven and the sky is open and they can clearly hear the voice of the Lord. Quand tu sors de ce moment glorieux, Dieu ne t'appelle pas à commencer dans le monde, à retomber dans la religiosité, mais à remercier pour le sacrifice qu'il a accompli lui-même quand tu l'adorais. While you're going out from this moment of adoring the Lord, it doesn't await that you continue with your religious way of thinking and doing things, but to start to pray and to be honest. Et c'est à ce moment-là seulement que tu commences à grandir dans ce qu'on appelle la sanctification, la sainteté de Dieu. That is how you start to live in the sanctification in your life. Parce que tu as compris comment Dieu agissait et tu as compris comment Dieu te pardonnait. Because you knew, you understood how God is acting in your life and how God forgave your sins. Amen. Et tu vas être convaincu, le Saint-Esprit pendant ce temps va te convaincre de péché, de justice et de jugement. And while you are adoring the Lord, the Holy Spirit will convict you of sin and you will ask for forgiveness. Et quand les gens vont te voir, ils vont voir un homme et une femme joyeux. And while people will watch at you, will see a joyful man and women. Et ils vont te dire, mais qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Comment ça se fait que tu es tellement joyeux? They will question yourself, what happened in your life? Why did you change? Tu dis, quelqu'un a enlevé mon sac qui m'accablait. So say that somebody took the things. Parce que je l'avais pas vu, mais je portais un gros sac toujours et j'étais toujours fatigué à cause de ce sac. Somebody took my burden. I had a huge burden and now I'm free. Et si la personne te dit mais qui t'a enlevé ce sac? So if this person asks you, who is this person? Alors tu lui dis est-ce que tu veux réellement le connaître?
ask him, do you really want to know him? Parce que attention, si tu commences à le connaître, il va changer ta vie. Because if you really want to know him, he will change your life. Et s'il te dit oui, tu dis alors prions ensemble et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. So if he don't give you yes, start to pray with this person. Et tu vas voir alors les hommes se tourner vers Christ parce que tu as su comment leur présenter l'Évangile. So that people, that person will find the Lord because Amen. Of your testimony. Amen. 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 Je l'ai vu à plusieurs fois. I saw this thing happen so many times. Un jour, alors que j'étais jeune fiancé, je suis allé chez un ami avec un ami de mon épouse. On allait le voir 5 minutes. So one day I came with a friend of ours. Et j'ai commencé à lui raconter une histoire de diamant. So I started to bring him a story about diamonds. Et je lui ai dit, imagine. So I told him, imagine. Imagine que tu pourrais rencontrer la personne qui possède les plus grandes mines de diamants et qui te le donnerait. Imagine that you go to the person that has most important amount of. Qui pourrait tout faire pour toi. Est-ce que tu n'aimerais pas le connaître? Of diamonds and he wants to give you this. Et s'il voudrait te donner un diamant, est-ce que tu refuserais? And if this person wants to give you just a diamond, would you renounce it? Je vais présenter comme ça pendant 5 minutes une histoire. I just present to this man a story about 5 minutes. Et tout d'un coup, ce jeune homme d'une vingtaine d'années commence à crier, mais je veux ça! And this man told me, yes, I want this. Je dis alors prions ensemble et accepte Jésus parce qu'il est le plus beau des diamants pour ta vie. So I told him, so let's pray together because Jesus is the most Amen. Beautiful diamond in our lives. Amen. Amen. C'est une réalité. Because this is a reality. Mais seulement des fois nous ne savons pas comment présenter l'Évangile. But sometimes we don't know how to present the gospel of the Lord. Parce que nous-mêmes on a mal expérimenté l'Évangile, on a mal expérimenté la présence de Dieu et on a toujours notre sac. Because we experience bad things and we have all our burdens. Et on marche avec notre sac et on essaye avec notre piété d'enlever ce sac mais on n'y arrive pas. So we walk with this burdens and we try to go. Et on essaie de prier mais ce sac devient encore plus lourd. We try to pray but this burden is growing. Oh, growing. C'est bien, la vie chrétienne est tellement difficile. So we start to pray with piety and j'ai carrément l'impression que je vais abandonner. And we think that Christianity is so difficult. C'est pour cela qu'aujourd'hui le Saint-Esprit t'interpelle. We want to abandon and that is why tonight the Holy Spirit wants to tell you that to start to adore. Et quand tu commences à adorer, tes nombreux péchés vont être pardonnés. Because when you start to adore, your so many sins will be forgiven. Et c'est pour cela que cette histoire est dans la Bible. That is why this story is in the Bible. Pour que nous puissions comprendre le secret de l'adoration. That we need to understand what is the secret. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Because Jesus told us that he's searching for a true worshippers who worship the Lord in spirit. Tu as peut-être des tentations, des séductions dans ta vie. Tu as peut-être ce gros sac qui est lourd derrière toi. Maybe you have a so huge burden in your life, temptations and seduction. La victoire va être donnée quand tu commences à aimer et adorer le Seigneur. You will have the victory while you start to approaching the Lord and adoring him. C'est pour cela que nous faisons des chants joyeux. That is why we are singing joyful songs. Encore ce soir, j'étais un petit peu fatigué, mais nous faisons des chants très joyeux et nous bougeons beaucoup. And tonight I didn't do this because I'm so tired, but et mon défi pour moi, c'est de voir une église qui adore et qui prie, qui remercie Dieu à tel point que tous les péchés sont effacés au moment de l'adoration. So we need to see a church which starts adoring the Lord, so that at this moment every sin will be forgiven. Et que le message n'a même pas encore été donné, que la grâce est tellement forte que toute chose devient possible. So that the grace is so huge. Even before preaching, Amen. So the Lord touches our lives. Amen. Nous allons y arriver. And we will go to this one. Nous avons déjà commencé à goûter les prémices. Just start to see that. Mais je vais vous dire au mois de septembre, quand nous allons commencer les 50 jours de jeûne et de prière, on va voir des grandes choses. We see the first fruits, but in September, when we're starting to do the fast for 50 days, we'll see more things. Tous les soirs, nous allons adorer. Because every night we will adore the Lord. Je ne sais pas comment elle sera votre voix au bout de 50 jours, mais j'aimerais vous dire que tous les soirs nous allons adorer et prier. I don't know about your voice, but I can assure that every night Amen. We will search for the Lord and adore Him. Et si tu ne savais pas prier jusqu'à avant, mais je te garantis qu'au bout de 50 jours tu sauras prier.
And I can tell that in these 50 days, even though you couldn't pray before, you will know how to pray. Tu ne savais pas ce que c'était adorer. J'aimerais te dire qu'au bout de 50 jours, tu sauras ce que c'est adorer. If you didn't know what is to adore the Lord, in these 50 days, you will know how to adore the Lord. Et si tu ne savais pas ce que ça voulait dire vivre sans culpabilité du péché, j'aimerais te dire qu'après ces 50 jours, tu sauras ce que ça veut dire, ce que ça veut dire vivre heureux en Christ. I can tell you, if before these 50 days you didn't know how to live a free life, you will know it. Parce que l'église c'est le lieu où on apprend à grandir avec Dieu. Amen. Because the church is the place where we need to understand how to grow up with the Lord. Si dans l'église on n'apprend plus à grandir avec Dieu, alors c'est plus la peine d'aller à l'église. If we don't understand in church how to grow up, it is not the point to go to the church. C'est pour ça que bon nombre de grandes églises, de beaux édifices sont vides. That is why we see so many churches and buildings which are empty. Parce que les gens sont pas fous. Because people they are not crazy. Amen. Amen. Mais quand ils vont voir les croyants nés nouveaux qui commencent à adorer Dieu d'une nouvelle manière et qui sont heureux, alors ça va les attirer tout seul. Because the thing which will ask them to come in churches seeing people who are adoring. Et ils vont dire, tu as quelque chose chez toi que je veux. And he will tell, and they will tell you, you have something that I need. Plusieurs fois, on me l'a dit alors que j'étais dehors avec des jeunes, des quartiers et tout. Il me disait, mais ce que tu as, mais on le veut. But this person told me, just what you have, I want it. Un jour, un homme m'a dit, mais je veux ce que tu as, mais pour l'islam. One day, a Muslim told me, I want that what you have, but for my religion. J'ai dit, Mohamed ne peut pas te donner ça, mais Jésus peut me le donner. Et si tu viens à lui, il te le donnera aussi. I told him that Mohamed cannot bring you this, but Jesus can bring you. So come. J'ai parlé à des bouddhistes, j'ai parlé à des musulmans, j'ai parlé à des personnes de toutes confessions. So I talked to so many people who are Buddhist or Muslims, so many confessions. Et j'aimerais vous dire que chaque fois la même chose se produisait. I can assure that everything. Ces hommes et ces femmes, quand nous leur prêchons l'évangile, étaient frappés d'un grand étonnement. It was the same thing that these people were really astonished. Parce qu'ils me disaient, mais ce que tu nous prêches, on n'a jamais entendu. Because they told me that what are you preaching, we never heard about it. Je dis pourtant c'est l'évangile que mon Seigneur a prêché. And I told them, but this is the gospel that my Jesus, my Lord, preached. Et c'est malheureux quand j'entends ça dans un pays comme la France, qui se disent soi-disant chrétiens, des hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu ce message. So it's a pity just to see that there are so many people who are thinking that they are Christians but they didn't knew the gospel. Et c'est alors à ce moment-là que le Saint-Esprit a commencé à parler du réveil de cette nation. And so it is at the very this moment that the Lord told me about the revival. Le réveil, c'est quand l'évangile est revalorisé à sa juste valeur. The revival is the revalorization of the gospel at this just place. Et nous commençons à comprendre l'autorité, la dimension que nous avons en Jésus-Christ. So while we are starting to understand the dimension that the Lord wants to bring us. Et j'aimerais vous dire que les gouvernements vont entendre et vont venir voir ce qui se produit. And I can tell you that the governments will come and will see what is happening. Ça ne va plus être nous qui allons subir des lois uniques, mais les gouvernements vont dire quelles lois peuvent plaire à Dieu. So it will be the governments who will ask which law will be in adequacy of the Lord. Parce que les hommes et les femmes auront su comment Dieu marche et nous allons marcher avec lui. Because there are people who knew how to walk with the Lord. J'aimerais vous dire, un homme et une femme qui marchent avec Dieu, rien ni personne ne peut l'arrêter. I can tell that the men or women which are walking with God, nobody can stop them. Aucune personne au monde ne peut arrêter un homme et une femme qui marchent avec Dieu. Nobody in this world. Quand ils ont mis Paul et Silas en prison, les murs de la prison commencent à trembler. While Paul and Silas were in prison, the prison was shaking. Ils ne voulaient pas accepter le poids d'être enchaînés. Ils ont préféré chanter et les murs ont tremblé. They preferred to adore the Lord, so all these walls of the prison shook. Autrement dit, la prison les a éjectés. La prison a dit, je ne veux pas de ces gens ici. So the prison told them, I don't need these people here. Je ne peux pas retenir des gens qui sont déjà libres. I cannot bring people here who are Amen. Free. Amen. 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 Alors que Pierre est en train de dormir entre les gardiens, les chaînes sont tombées. Ils ont dit, on ne peut pas retenir une personne qui est déjà libre. So Peter, he couldn't be in this place because he was already free. Amen. Amen. Et si toi tu marches dans la liberté, aucun système ne pourra t'écraser. So if you walk in freedom, nobody can stop you. Parce que tu sauras que dès que tu commences à adorer, la grâce de Dieu est là.
because you will know that starting to adore the Lord, the grace of the Lord will come into your life. Tes péchés sont pardonnés. Your sin will be forgiven. Selon la Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu? That is why the Bible is telling us who will. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is with us, who will be against us? Donc le message que lance le Saint-Esprit, alors n'exalte pas, annoncez sa parole. And this is the message of the Holy Spirit. Do not fear, but just accept the Holy Spirit in your life. Ne crains pas de parler de Dieu autour de toi. Do not fear just to talk for Jesus and to bring the gospel in this nation. Et si tu ne crois pas à ce message, alors j'aimerais te dire que il faut croire. And if you don't believe this message, I want to tell you. Parce qu'il va, il en va de notre éternité. Because if you believe in this message, it is for aucune femme ne sait quand tu vas mourir de cette terre. Because you don't know which will be your last day. Mais il y a une réalité que j'aimerais vous dire. There is a reality which I want to tell you. Si peut-être ce soir ou demain c'est ton heure. Maybe tonight or tomorrow it's your day to live in the earth. Et que tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. And you never accepted Jesus as your Savior and your Lord. Tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. You cannot go back. Ça sera trop tard. It will be so far. Et c'est pour cela que je me force comme ça à te parler de cette manière. That is why I bring you the gospel this way. Parce que si je te dirais mais tu as encore le temps, je serai le plus grand des menteurs. Because if I tell you that you have so many time, I'll be the most important liar. Parce que devant Dieu, il n'y a pas encore le temps. Because God is not in the time. Parce que personne ne sait quand il part cette terre. Because nobody knows when he is leaving this earth. Mais si aujourd'hui tu veux décider de croire, so if tonight you want to decide et que tu believe, et que tu veux dire Seigneur, j'accepte le salut que tu m'as donné. And just to tell the world that you accept the salvation that he brings you. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. So I accept you as my Lord, as my alors, Savior. Alors pendant que nous fermons les yeux, so while we're closing our eyes. Que tu puisses lever ta main ici dans l'église. So you can just put your hand up, raise your hand. On ne va rien demander sur toi, c'est entre toi et Dieu. It is before you and the Lord. Que tu puisses seulement lever ta main et faire une prière avec moi. You can just raise your hand and pray with me. Et tu peux dire Seigneur Jésus. And you can tell Lord Jesus. Aujourd'hui je crois. Tonight I believe. Même si je n'arrivais pas à croire, even if I didn't know how to believe, aujourd'hui j'ai entendu le message d'urgence que tu pousses. Today I heard this urgent message. Et aujourd'hui je veux croire à toi. And today I want to believe in you. Je confesse de ma bouche, so I know that I'm sinful. Que tu es mon Seigneur. And I confess that you are my Lord. Et mon Sauveur. And my Savior. Je crois que tu es mort pour moi. And I believe that you died for me. Et que tu as donné toutes choses pour ma vie. And that you gave all things for my life. Je veux rentrer comme cette femme pécheresse dans le lieu de l'adoration. I want to enter as this woman in the place of adoring. Dans lequel je répands du parfum sur tes pieds. Where I bring you this oil, unction oil in your legs. Et je crois qu'en le faisant, les nombreux péchés sont pardonnés. And I believe that starting to adore you, all my sins are forgiven. Je crois et je confesse qu'en cet instant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. And I believe in this moment that my name is written. Et que mon cœur est grand ouvert pour ton esprit. In heaven and my heart is so open for you. Je te remercie. And I thank you. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je vais prier moi maintenant. Seigneur mon Dieu mon roi, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ton amour et ta présence. Lord God, I thank you for your grace, for your love. Et je te remercie Seigneur pour ce jour de victoire où des hommes et des femmes sont entrés Seigneur dans le royaume de Dieu. And I thank you for this victorious day where people came to you. Seigneur que ce message puisse nous impacter, nous suivre tout au long de nos vies. And I pray that this message will guide us, will direct us every day in our lives. Et que toi, Saint-Esprit, tu puisses nous rappeler les valeurs dans lesquelles nous avons affiché un jour dans nos vies. So that your Holy Spirit can bring us to our minds all these values that you told us today. Je te demande merci de toucher l'Église. And I thank you and I want you to touch the church. De relever tous ceux qui ont déjà commencé à marcher avec toi mais qui sont tombés.
to raise every man and woman who started to walk with you but who fell down. Et que ce message puisse les amener dans un nouveau niveau d'adoration dans lequel l'accusation du diable est ébranlée. So that this message can bring them in new dimensions in their life where the Satan could not do anything. Je lis tout esprit d'incrédulité. So I bind every spirit. Je te lis, Satan le diable. Every spirit of the devil. Tout esprit des ténèbres qui voulait aveugler les yeux des incrédules pour qu'ils ne croient pas, je te lis maintenant. I bind every spirit that of blindness in the name of Jesus. Et je détruis ton pouvoir. And I destroy all your power. Et je déclare, Saint-Esprit, ta grâce et ta présence. And I declare, Holy Spirit, your grace and your presence. Je déclare un climat de foi. And this faith. Et je crois qu'on va entendre des grands témoignages de ce que tu vas accomplir dans la vie de mes frères, de mes sœurs, des internautes qui regardent également sur Internet. And I believe that you can bring and you will bring testimonies, all these lives and people, brothers and sisters who are here and who will listen in the Internet. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. J'ai ainsi dit et prié. I bring you, and I pray to you, Lord. Amen. Amen. Et amen. Et amen. Amen.